Bonsoir, on se retrouve pour un épisode de Docteur Terreur, j'ai du mal à le dire. Du Docteur Terreur aujourd'hui en full guerrier, ça va être la première fois que je vais faire le Docteur Terreur en full guerrier. Je viens de les avoir au niveau 18, ça faisait longtemps que j'essayais de les améliorer jour après jour. Et voilà, donc j'ai niveau 18, on va essayer de faire le Docteur Terreur, je ne pense pas arriver jusqu'au niveau 7. Parce que vraiment, j'ai dû faire une dizaine d'attaques en 10 mois. Sur les guerriers, vraiment, je vous jure, j'ai toujours joué presque en gros brazuca. Donc là, on va tester. Je vais vous montrer mes autres trucs importants, on va dire, dans l'arsenal. Alors, j'ai les fumigènes 4, fusée éclairante 6 et medikit 20 et électrobombe 6. Voilà. Bon, en gros, c'est ce que j'ai. Alors, les barges, j'ai des barges niveau 20, j'ai 3 barges niveau 20, 2 barges niveau 19 et 3 barges niveau 18. Voilà. Je ne vais pas booster mes troupes, on va essayer de faire comme ça, je vous le dis directement, je n'ai aucune expérience presque avec les guerriers, il faut que je m'y mette parce que j'ai plein de bases de ressources à détruire en guerrier tout simplement, donc on va essayer d'y aller tout de suite. Alors là, faut que je vais quand même créer le chemin tout de suite, hein, même si on ne doit pas forcément faire ça en guerrier. Allez, je les lance, c'est parti. Je vous annonce aussi que la chaîne Paulin Gaming connaît déjà son deuxième jeu, sa troisième vidéo, le jeu Outlast, le célèbre jeu d'horreur. Il y aura plein d'autres jeux qui vont arriver sur cette chaîne Paulin Gaming. Le lien de la chaîne est dans la description de la vidéo. Donc oui, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, tout simplement, ça va être une chaîne importante, on va dire. Paulin Gaming, le lien est dans la description de la vidéo. Il y aura du Alien Isolation, GTA, Battlefield, FIFA, voilà. Dès que j'ai le temps pour une petite vidéo, je le fais tout de suite. Là, on a fait le niveau 1. C'est parti, je fais le niveau 2. Niveau 2, c'est parti. Que je me trompe pas, je récolte ça juste avant. Comme ça, ça sera fait. Hop, ça permet de revenir. Allez, on commence par le niveau 2. Enfin, on commence par le niveau 2. On va essayer d'y arriver. J'espère que vous allez bien tous. J'espère. Alors, là, on va. Je vais essayer de vraiment attaquer comme un joueur de guerrier. Faut pas que je fasse n'importe quoi. Allez, faut que je m'entraîne. Quoi qu'il arrive, faut que je m'entraîne. Ma task force aussi en a besoin. Bon, je suppose qu'il faut faire comme ça. Bon, là, avec un problème, les bâtiments défensifs ne sont pas. N'ont pas beaucoup de points de santé, etc. Alors là, il y a des mines. Je sais pas si ça va poser un problème. Tant que je peux freeze, je le fais. Et on va finir tranquillement ce QG en 2-3 coups. En 2-3 coups de marteau. D'ailleurs, certains appellent les guerriers les marteaux. Bon, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Allez, le niveau 3. Bientôt, une nouvelle vidéo de Super Truit va arriver. Super Truit TV. Ça va peut-être être sur le... Alors, il m'avait dit, je ne sais plus c'était laquelle exactement. Faudrait que tu me renseignes. Allez, on fait le niveau 3, on attaque, on n'a pas peur. Mais après, ça risque d'être drôle parce que j'ai vraiment, vraiment pas d'expérience. Alors, il me faut un point d'appui, si j'ai... Un point d'appui, pardon. Donc, je vais prendre lance électro. Bon, j'aurais pu le détruire, hein. Mais bon. Comme ça, on s'entraîne. Le niveau 3. Alors, fusée éclairante là-dessus. Fais une bêtise, là. Hop, je les regroupe tous. Vers le QG. Voilà, comme ça, c'est fait. Je les soigne. C'est normal qu'il y ait un temps d'adaptation. Hein. Hop, je frise ça, je frise ça, et je frise ça. Parfait. Perfecto. Et on finit le QG en 5 coups. Franchement, c'est pas mal. Je vais en avoir besoin pour les bases de ressources de cette formation de troupes, les guerriers. À chaque fois, je faisais le Docteur Terreur en brazuca. Gros brazuca. Voilà, donc là, ça va être super enrichissant, on va dire. Pour moi, peut-être pas pour vous. Parce que je sais pas si je vais vous apprendre quelque chose à faire avec cette formation de troupes. J'en ai remarqué que là, on voit presque pas mon visage. On s'en fout. Ouais, on s'en fout. Alors, faut peut-être que je refasse mes troupes, hein. C'est pas un défi, hein. On pourrait dire que c'est un défi. En plus, il y a des défis guerriers, donc c'est pour ça, je m'entraîne. Allez, niveau 4. Je suis déjà content, hein, d'être au niveau 4.
Alors, les... On va essayer de le faire, il n'y a aucun souci. Je sais pas quel bâtiment détruire en fait. Ouais, je vais détruire, lancer l'électrobombe. Et après, je vais lancer mes troupes sur la gauche, on va essayer de faire le tour. Ok, en 3 coups, il est détruit. Hop, je lance mes troupes sur la gauche. En plus, c'est une formation de troupes qui se reforme rapidement. Donc, c'est super enrichissant. Vous pouvez vider votre map. Parce que des fois, on fait des rasages de map. Je sais pas si vous aussi vous faites. Vous boostez vos troupes et vous rasez toute la map. En tout cas, le plus de troupes possible. Et après, vous vous amusez. Tout simplement. Alors, je récolte quelques points. Hop. Je vais les emmener là-bas. Sous des fumigènes. Je vais directement les mettre autour du QG. Hop, voilà, parfait. Il me reste 46 points pour Freeze. J'adore en fait les gars, et je pensais pas que j'allais autant aimer, on va dire. Et voilà, allez, c'est parti. Je les soigne, faut pas que j'oublie de les soigner à chaque fois. On peut faire le colonel Geralt en one shot souvent. Enfin souvent, faut vraiment avoir de l'expérience pour avec les guerriers. Donc voilà, niveau 4 détruit. Alors en gros Brazuka, je sais pas si j'ai réussi à détruire les 7 niveaux. C'est vraiment compliqué. Peut-être en étant boosté. Allez, aucune perte, ça c'est pas mal. Ok. Allez, le niveau 5. Franchement, je pense pas aller plus loin, je vous l'avoue, que le niveau 5. Pourtant, ils sont niveau 18, hein, ça aide, hein, forcément. Elles auraient été niveau 10, je ne serais pas allé jusqu'au niveau 5. Alors, le niveau 5. Je compte aller sur la gauche, bien sûr. Je vais détruire les mines. Je vais faire un petit tir de barrage. Hop. Boum, boum. Voilà, comme ça, ça fait le ménage. Je détruis lance électro-bombe et mortier. Comme ça, c'est parfait. Boum. Les bestioles ici, pour les mines qui soulèvent. Boum. Voilà. Et je lance mes troupes. On va les mettre, on va les positionner. Ouais, allez, sur le canon là, ici. Là. Hop. Boum. J'ai fait vraiment n'importe quoi là. Au final, je pense que ça va passer. Normalement. Hop, je les soigne. Hop, boum. Putain, j'espère avoir réussi là. J'ai fait vraiment n'importe quoi. Certains sont en feu, ça tombe bien, je les ai soignés. Alors là, par contre. Hop, boum, boum. J'ai frisé ce qu'il y avait autour. J'ai frisé les 3 lance-flammes, c'est parfait. Désolé si j'ai peu parlé lors de cette attaque, j'étais vraiment concentré. Je devrais y arriver s'il se dépêche avant les lance-flammes. Parfait. J'ai vraiment eu chaud. Et on stresse hein, quand on joue guerrier. Hein. En tout cas, respect pour ceux qui jouent guerrier, c'est vraiment stressant. Ça change totalement des gros brazookas. Franchement, c'est plus rapide déjà pour faire des petits challenges vitesse, on va dire. Hop, je vais renforcer ça. Et on va tout de suite aller voir le niveau 6. Si on n'a pas le temps pour faire le docteur Terreur, bam, tu fais guerrier. C'est pas mal, après c'est tranquille. Alors voilà. Là, je compte aller de face, en fait, tout droit. Alors, quelles lance-roquettes ont en portée? D'accord, eux. Je vais peut-être les détruire, les deux à droite, après. Alors, je vais faire quelque chose, je vais tester. C'est déjà bien d'être allé jusqu'au niveau 6. Je vais renforcer les troupes. Je vais faire quoi d'autre? C'est tout. Allez, on va faire le niveau 6. Je ne vous promets pas d'y arriver. Il faut un début à tout. Allez. Ces deux lance-roquettes là, j'ai envie de les détruire. Ça m'économiserait un freeze pour plus tard en fait. Tout simplement. Des bestioles ici pour les mines parce que je vais attaquer de face. Encore ici. Après on va essayer d'être bon. Hein. Allez c'est parti. Le problème, c'est qu'ils sont pas synchro et c'est ça qui est dur à gérer, en fait, tout simplement.
Voilà, là j'ai focus le QG. Il me reste, allez, un Taz ou deux, je sais plus exactement. Je vais gérer. Hop, un là. Et putain, il me reste plus qu'un. Et hop, et là je soigne mes troupes avec l'autre Medikit. Avec le Medikit parce que je pouvais pas, j'avais pas assez pour freeze en fait. Va-t-on y arriver dans ce niveau 6? Va-t-on y arriver? Ça va être super compliqué. Pour un premier essai du Docteur Terreur, j'ai réussi le niveau 6. Je suis super content. Ah, par contre, il me reste plus beaucoup de troupes. Ça a été compliqué. Putain, je transpire rien qu'à cause d'un jeu, quoi. Faut vraiment que je me calme. Putain, beaucoup de ressources. 4 fragments obscurs, un cristal obscur, 27 guerriers perdus. Je sais pas si c'est une bonne. Si c'est bien en fait. J'en ai perdu moins qu'au niveau 5. Voilà, déjà. C'est la seule chose que je peux vous dire. Par contre, le niveau 7 risque d'être vraiment. Mais impossible. Ordure en brazuca, il serait super difficile. Là, il me faudrait boost canot et je réserve ça pour plus tard. Alors, je vais tester, je pense, avec les troupes qui me restent. Parce que là, il y a combien de lance-roquettes? Si je mets un freeze ici, ça freeze 3. Il y a un lance-roquette ici, un là. Allez, on va essayer. On va essayer avec les troupes qui restent. De toute façon, je pense ne pas y arriver, je vous le dis direct. Mais bon, on est là pour tester, c'est pas grave si je perds mes troupes. Là, ils vont faire un petit peu de points de canonnière. Par contre, faut que je fasse gaffe parce que lance-roquette, il me touche déjà en fait. Là, je l'ai protégé, j'ai de la chance. Allez, je vais les focus. Là, ce que j'ai fait en fait, j'ai préféré freeze. Que je pense que c'était mieux parce que j'ai besoin de fumigène pour plus tard. La catastrophe, les amis, c'est super compliqué. Je focus le QG, je mets un petit fumigène autour. Il y a des mines, j'avais pas vu. Merci. Hop, je soigne et je freeze qui est autour 3 ici et là. C'est parti et j'aide à finir le QG. Ça va être impossible en boost en troupe, pourquoi pas. Et la canonnière, mais là vraiment je vais pas y arriver. Ouais, il reste quand même beaucoup de points de vie du QG. C'était vraiment difficile. Voilà, en tout cas, j'ai essayé, c'est le principal. Même avec les autres troupes, étant boosté, je sais pas si ça aurait marché. Voilà, dites-moi si vous avez réussi dans les commentaires. Voilà, quant à nous, on se retrouve très bientôt. Merci d'être de plus en plus nombreux. On se retrouve très bientôt et abonnez-vous à la chaîne gaming. Paulin Gaming, de toute façon tous les liens des réseaux sociaux et de Paulin Gaming sont dans la description de la vidéo. Allez, salut à tous!